Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre « Je vibre au tempo de ». Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, alors je suis Marie Lanier. Je suis une auteure qui aime jouer avec les mots, autant pour rire, m'amuser, une écriture fantasy, que j'exprime surtout dans les contes pour enfants. J'aime aussi les nouvelles et j'aime évidemment beaucoup la poésie. Alors, ce que j'appelle les plongées de chair vive, c'est-à-dire des plongées quand on va sous la surface des choses et qu'on plonge vers l'essentiel. Alors, j'aime beaucoup l'exercice d'écrire à partir d'une œuvre d'un artiste, comme on peut le faire avec Mélanie Poirier. Alors, cet exercice-là est toujours très intéressant et nous amène dans des explorations parfois imprévues. Alors, j'ai travaillé avec une peinture qui représente tout simplement une fleur. Alors, j'ai plongé dans la fleur et je l'ai regardée sous l'essentiel. Ce texte qui est écrit a une résonance drôlement troublante pour aujourd'hui. Orange têtu. Vêtu d'orange ténu, tu affrontes les orages d'un monde bousculé. Dans la lumière crue, des cœurs carbonisés, des pensées calfeutrées. Les odeurs étranges des jours mâchouillés tanguent sous l'insouciance étanche de l'arrogance charnue. Candeur, chaleur, piétinée, va-t-on chavirer? Vêtu d'orange têtu, tu ébranles les barbelés de la peur. Le soleil, endolori, sais-tu, s'écrit, usé, épuisé. Seule, ta fragilité, échevelée et nue, ose nous offrir sa couleur joyeuse. Va-t-on te broyer, t'assassiner ou résister? Alors, le plaisir de regarder les fleurs et de plonger dans cette vie si belle qui nous entoure. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente Pascale Bouchard, artiste peintre. Généralement, je travaille l'encaustique comme dans le cas de cette œuvre-ci que je vous présente aujourd'hui. Sinon, j'explore aussi beaucoup toutes les techniques mixtes qui me permettent de travailler, comme on le voit très bien, la fluidité et le mouvement dans mes œuvres. Cette œuvre est intitulée « Inspirante Alicia ». Pourquoi je l'ai créée? C'est justement pour participer à un livre que Mélanie de MP Trésor nous a lancé comme invitation. Le livre s'intitule « Je vibre au tempo de ». Et moi, pour réaliser cette œuvre, j'ai vibré au tempo d'un artiste francophone de la musique qui s'appelle M. C'est Mathieu Chédid. Très coloré comme personnage. Lorsque je me suis inscrite à ce lancement-là avec Mélanie, on m'a fait découvrir cet artiste-là francophone qui fait partie aussi de ma banque d'artistes que j'aime beaucoup écouter. J'aime le coloré, j'aime la simplicité, j'aime le côté baladeur, j'aime le côté lâcher prise de l'artiste qui lance dans sa musique. Donc, je vous invite à découvrir Inspirante Alicia qui se laisse aller dans le mouvement avec la musique de M. La chanson que j'ai choisie, c'est La Fleur. Donc, bonne visite virtuelle de l'exposition, bonne exploration et découverte des différents artistes que vous allez rencontrer grâce à cette idée que Mélanie a lancée. Et je vous remercie beaucoup de l'intérêt apporté à ce petit moment vidéo-là. Je vous souhaite bon confinement à tous et à bientôt. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo de » qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité?
qui réunit le talent de 90 créateurs, eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor située à Durham-Sud, au centre du Québec. Capucine la